Bonjour les filles, alors aujourd'hui on va parler de confiance en soi. Vous avez été très nombreuses à me dire « Nathalie, je n'ai pas assez confiance en moi » et c'est à cause de ça que je ne réussis pas, que je n'ose pas aller vers les projets qui me tiennent à cœur. Donc aujourd'hui j'aimerais vous donner mes 3 clés qui vont éventuellement vous permettre donc de surpasser votre manque de confiance en vous et vous permettre d'en gagner un petit peu. La toute première clé, c'est déjà de se souvenir des moments où vous avez été confiant. À un moment donné dans votre vie, vous avez forcément un jour été confiante. Vous avez peut-être réussi un examen, réussi peut-être une épreuve sportive, peut-être... voilà, et essayez d'imaginer un moment où vous avez réussi quelque chose dans votre vie. Essayez vraiment de le vivre finalement en pensée comme vous l'avez vécu en vrai à ce moment-là. Imaginez le sentiment que vous aviez à ce moment-là, le sentiment de réussite, de fierté, peut-être un jour vous avez réussi à perdre 2 kilos ou je ne sais quoi. Essayez vraiment de penser à ce moment-là et de revenir dans cette énergie où vous avez été à ce moment-là. Comment est-ce que vous vous sentiez? Donc vous fermez les yeux, vous ressentez et voilà, ça, c'est la première clé qui va vous permettre de vous sentir plus confiante parce qu'en fait vous allez avoir envie de vous sentir comme ça le plus souvent possible. La deuxième clé, ça va être de sortir de votre zone de confort le plus souvent possible, mais dans un premier temps par des petites actions. C'est-à-dire que si vous avez actuellement cette vie-là et si cette vie-là ne vous plaît plus, eh bien c'est que vous avez toujours fait des actions qui vous ont mené là. Si vous voulez changer de vie, il va falloir faire des autres actions. Pour faire des autres actions, il va falloir sortir de sa zone de confort. Donc pour ça, ça va être de prendre des initiatives, faire des choses que vous n'avez jamais fait. Peut-être que si vous sortez pas beaucoup de chez vous, que vous n'avez peut-être pas l'occasion ou que vous avez un petit peu peur de parler aux gens, eh ben la première action, ce serait peut-être de simplement dire bonjour dans la rue à quelqu'un ou alors de demander l'heure à quelqu'un. Voilà, des petites actions qui vont faire que « Ah ouf, il m'arrive rien, je suis pas morte, je suis toujours là, je peux faire une autre action. » Et la troisième clé qui va vous aider donc à regagner confiance en vous, ça va être d'être fière de vous, de fêter les petites réussites. Même si c'est simplement dire bonjour à quelqu'un dans la rue, même si c'est simplement demander un renseignement, même si vous n'en avez pas besoin, le but c'est pas ça, c'est de finalement de rentrer en contact avec quelqu'un, ou c'est s'inscrire peut-être à une de mes formations gratuites, ça vous engage en rien du tout. Là d'ailleurs je propose une conférence qui serait totalement adaptée pour vous, qui s'appelle Nouvelle Vie, où je parle justement de confiance en soi, comment réussir, comment ne pas avoir peur de la concurrence, toutes ces choses-là. Donc peut-être la première action, ce serait de s'inscrire à cette conférence. Qu'est-ce que ça vous coûte? Simplement rentrer votre adresse mail, c'est tout. Ça vous coûte rien du tout. Et ça vous permet de faire une petite action. Si ensuite vous avez envie de faire une autre petite action et peut-être nous rejoindre dans la formation, eh bien voilà, après ce sera à vous de voir comment vous voulez faire. Mais si déjà vous faites ces trois choses, vous raccrochez donc à ce sentiment de réussite que vous avez déjà eu par le passé. Ensuite, ça va être donc de faire des petites actions répétées et de plus en plus grandes. Et troisième chose, à nouveau fêter les actions que vous avez faites et être fier de vous. Ne tenez pas compte de ce que les autres disent, soyez fiers de vous. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce type, dites-le moi dans les commentaires. J'essaye de les faire plus courtes, donc de parler moins. Je vous le promets. Si vous aimez les vidéos, donc mettez-moi un petit like, ça m'encourage énormément. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant simplement sur s'abonner et en cliquant bien sur la petite cloche pour être averti donc des prochaines vidéos. Je vais faire toute une série de vidéos sur le thème de la confiance en soi, de la peur, de la réussite. Donc surpasser ses peurs pour réussir et donc voilà, parce que pour moi je trouve que c'est super important, c'est moi-même ce qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement, donc j'ai envie à mon tour de vous aider. Si vous avez envie de me rejoindre dans la conférence, c'est avec très 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 grand plaisir que je vous accueille. Encore une fois, tout se passe donc juste sous cette vidéo, il suffit de cliquer sur le lien, vous allez trouver, et si vous trouvez pas, vous me demandez dans les commentaires, il n'y a pas de problème, je vous explique. Je vous dis à très très vite, passez une très bonne journée et j'espère vraiment que mes vidéos vont vous aider. À très bientôt.